Métro, écoute, chez Métro, les cuisses de poulet, c'est là qu'il a le moins cher cette semaine. 99 cents la livre, ou si tu préfères 2,18 le kilo. Écoute, pour la belle, tu sais, la cuisse là, avec le dos, là. Hey, la peau, là, c'est tout super. Là. Tu t'en fais, tu sais, vraiment. Moi, j'appelle ça un fourneau complet, là. Tu mets une plaque ou deux là, qui rentrent, là, puis là, tu t'en mets plein. Tu fais cuire ça te fait un bon souper. Puis après ça, après le souper, là, toutes les autres, j'ai décortiqué tout, j'enlève toute la peau, puis j'enlève tout le poulet. Pendant que c'est chaud, c'est facile à décortiquer là, du poulet comme ça, là, à désosser. C'est facile. Quand il est froid, désosser ça, c'est plus difficile. Donc, t'attends, après le souper, tu sont tièdes, là. Tu ne brûles pas les mains en faisant ça, là, t'attends. Tant que ça soit tiède, puis là, tu désosses tout comme il faut. Puis là, tu te fais un gros paquet de poulettes parfait, là. Puis de cuisses, c'est plus gras, hein. Fait que c'est bon, là, froid. Après ça, tu peux le faire chauffer, tu peux faire des vols au vent, tu peux faire des pâtes au poulet, tu peux tout, écoute, tu peux faire n'importe quoi. Puis c'est super facile, des salades au poulet, écoute, là, c'est vraiment. Puis là, les os, là, tu ramasses toutes les os, les carcasses, tout ce que tu veux. Rien que le gras, dans le fond, tu mets de côté. Que tu mets dans le compost, mais pour ce qui est des os, tu ramasses tout ça, tu mets ça dans un chaudron, puis tu te fais une bonne petite soupe, un beau petit bouillon maison, là, d'eau poulet, là, écœurant. Puis ça, écoute, le bouillon de poulet, là, tu peux mettre plein d'épices là-dedans, tu peux mettre plein de choses, d'autres légumes. Tu peux te faire un bouillon, là, exceptionnel avec du compost, finalement. Dans le fond, c'est des vidanges, là. Les gens jettent ça, les os, mais tu sais, regarde, tu peux t'en servir pour faire encore plus d'économies. Puis encore plus santé, parce que là, toi, tu vas le contrôler, le sodium que tu mets dedans, le sel, tu en mets, là, mais tu vois, ça va être normal, comme on dit. Fait écoute, c'est ça qui est ça pour ce qui est des cuisses de poulet chez Métro. Aussi, chez Métro, qu'est-ce qu'on retrouve? Écoute, le beefsteak français. Donc, un petit steak français, toi, 49 la livre, hein, pas cher, ça, ou 7,69 le kilo pour du beefsteak, là, tu mets ça dans la poêle, chichi, merci, bonsoir, ou sur le charcoal, pas trop longtemps, tu sais, là, tu le fais pas cuire comme une botte. Mais là, c'est sûr que tu t'en retrouves, écoute, pour une livre, 3,5 piastres pour une livre. Tu sais, quand on aura mangé 2 livres à soir, mettons, on est 4, là, c'est 500 grammes par personne. Ça veut dire 250 grammes par personne. Allez, mettre pour 2 livres, 3 livres maximum, là, tu sais. Avec en bas de 10 piastres, tout le monde mange des steaks, fait que ça t'en vient à une assiette qui va te coûter en bas de 5 piastres par personne. Puis là, tu manges comme des rois. C'est ça, ben du bon sens. C'est chez Métro que ça se passe. Aussi, chez Métro, qu'est-ce qu'on trouve? Écoute, des côtes de dos, les côtes levées, là, tu sais, de part de dos. Hein, tu sais, c'est plus charnu que de flanc. Ils sont combien? 3,99 la livre, ou si tu préfères 8,80 le kilo pour la côtelette de part, comme ça, c'est super. C'est sûr qu'idéalement, quand tu fais cuire ça, tu les fais bouillir. Hein? Tu les fais bouillir, tu mets des herbes, tu fais bouillir ça, jusqu'à temps que l'os se détache, tu sais, là, pas qu'il déforme le morceau, parce que là, c'est bon pareil, là, mais tu viens de perdre toute le côté côtelette. Mais tu sais, juste quand tu vois que là, il commence à bouger dans le milieu, là, oh, tu enlèves tout ça de là. Puis là, tu peux y mettre ta petite sauce au barbecue dessus ou une petite marinade, puis tu peux y faire mariner par la suite. Tu sais, tu fais juste refroidir, tu fais une marinade, puis tu les mets dedans, puis tu les mets à 24-48 heures dans. Puis tu peux les mettre même dans le frigidaire ou bien, tu peux les mettre aussi au congélateur, hein, dans sa marinade. Puis là, quand il sort, tu es très sec, quand il fait dégeler, puis mettre ça avec la marinade, tu mets ça dans le four ou sur le charcoal, tout tape. Là, tu t'attends avec des côtes levées, là. Tu n'auras jamais ça nulle part. Ou bien, tu les coupes déjà en doigts. Tu les fais bouillir comme ça. Après ça, tu les coupes en doigts. Puis là, tu peux mettre ça dans des petites sauces VH noires, là, style Spirib, là. Tu peux te faire des bons Spirib avec ça. C'est carrément, là. Écoute, il y a de l'ouvrage. Ça te tente de cuisiner, là. Puis c'est facile, dans le sens que c'est pas manquable, tu sais. Puis c'est des tissus, écoute. C'est sûr que tu vas faire fureur en faisant quelque chose d'aussi merveilleux que des côtes de dos. Fait que, écoute, c'est chez Métro que ça se passe, puis c'est ça qui est ça pour chez Métro cette semaine. Mais je t'invite vraiment, hein, à t'abonner à la circulaire de papa. Papa, c'est bien important parce que, premièrement, ça m'encourage, hein, ça me permet de pouvoir continuer, puis éventuellement, peut-être en vivre, ça serait super. Puis si tu t'abonnes à l'abonnement VIP de papa, papa, mais là, tu retrouves ainsi que la circulaire, bien, les vidéos, les audios que tu peux télécharger. Hein, ça, c'est super. Les recettes aussi que je mets à l'occasion dans ton espace privé. Tu as un espace privé et tout. Là, fait que tu peux y aller 7 jours par semaine, 24 sur 24 quand tu veux. Fait que c'est super. Puis il n'y a pas de publicité dans l'espace privé de Papa Popote. C'est ça l'idée aussi. Fait que vraiment, là, c'est là que ça se passe. Puis ça devient ton centre de contrôle là, pour ce qui est de l'épicer puis de sauver de l'argent. Parce que l'idée, là, la secteur Papa Popote, là, c'est de m'encourager, oui, c'est vrai, mais au-delà de ça, c'est de t'aider, toi, hein, à t'assurer de jamais manquer un rabais. Puis, tu sais, vu que tu n'as pas le temps de commencer à scrutater toutes les circulaires, bien là, au moins, avec la secteur Papa Popote, bien, tu as tout.
dans une circulaire. Désolé, hein? Fait écoute, sur ça, je te souhaite bien sûr une belle journée, une bonne semaine, puis surtout, je t'envoie un beau bisou de Papa Popote. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de Papa Popote. Bye!